Je suis un schlag, je suis inarrêtable. En fait, je suis un schlag, traite-moi de schlag, oui, c'est moi. On parie combien, je dis, je t'en veux. Pour la paix, là, tu m'as cherché, je me fous de la merde. Je cherche rien du tout, je vous dis. T'es l'air. Je peux en placer. T'es encore là? Non, non, monsieur. T'es qui? Je peux en placer. Je m'en tape. Ouais, un classique, hein. T'as vu, maintenant, je serais plus capable de faire ça. Puis c'était à l'époque où j'étais un bon buveur, c'est-à-dire là, il y avait un peu de damoiseau dans le sang. Même celle-là, là, mon manager, il a coupé des trucs, hein. C'est pas la vraie vidéo, ça. Je pense qu'un jour, on va reprendre, on va mettre la vraie vidéo, et là, je pense que les gens vont m'insulter, même. Mais après, lui-même, après, il a rigolé, si tu veux. Après, à la fin, carrément, on se check et tout. Tu vois, lui-même, il a rigolé, il a dit, vas-y, en vrai, je suis une galère. Et moi, j'ai dit, vas-y, en fait, désolé. T'as vu, j'ai fait tout ça, mais désolé, après, on a rigolé. C'est de la D. Panorique. Celle-là, t'as vu, ça c'est l'euphorie du début. Là on va à Marseille, j'habite à Créé de base. Ta musique elle te fait à la Marseille, partout. Oh, je vois de la lumière. T'as capté? Le port. Non, vraiment, j'en perds mes moyens. T'arrives à le dire maintenant? Ouais, bon. Panoramique, bien sûr. Non, à force là, j'ai obligé. Non, ça c'est un classique, hein. Si je le regarde en mode j'ai des frissons, t'as capté? Tu sais, c'est grâce à ça qu'ils ont gagné, hein. Chaque match, carrément, je dis non, faut même pas qu'ils perdent, ils vont commencer à dire, hein, c'est à cause de mon son. Regarde, ils ont perdu, ah, écoutez du NASA, non. Là, ils ont gagné, c'est génial. Parce qu'après, ils m'ont invité, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, ils m'ont invité. Petite villa, les bails. Des anecdotes sur cette soirée Bon, non, pas trop, des trucs que tu connais, c'est en privé, frère, c'est entre celle-là, là, c'est entre nous. Non, ça c'est un classique, c'est moi et Salva ça. Voilà, carrément des gens, les gens ils me demandent même plus des dédicaces, il y en a, ils viennent. Et juste dis-moi, demande à ton père, il va te dire. C'est-à-dire moi aussi, baf, je t'envoie ça normal. Ouais. Bah oui. Regarde comment il me regarde. Ah, Salva m'a mouillé d'amour. Ah non, celle-là c'est trop. Tu sais, quand je vois ça, là, moi, ça va, les fous rires, laisse tomber. Il y en a à tire la rigot, vraiment. Oui, qu'il y avait une époque, les stories de NASA et Salva, tu vois. Jusqu'au state. C'est le state, elle nous avait fait mal, hein. On était en tété, je sais pas, parce qu'on avait vanné un petit daron comme ça. Regardez comme les petits héros, on dirait une bouteille d'Enken. Voilà, on dirait une bouteille d'Oasis. On dirait une brique de jus, wesh. C'est honte comment il est tassé, wesh. Sur le coup, les gens se rigolent, le lendemain, je vois. Oh. Non, en fait, non, on n'est pas d'accord. Aucune limite dans... Non, mais quand je te dis aucun frein dans les vannes, mais c'est grave. En fait, même carrément, comme maintenant je suis connu, il y a des trucs que je dis pas parce qu'ils vont dire « Ouais, truc !» Or que les vrais gens connaissent. Même les gens qui vont voir l'interview, ils vont dire « Ouais, on connaît. » Ah, il y en a, ils m'en ont mis, hein. Non, des sérieuses, wesh. Il y a des gens sur Twitter, ils sont forts. Carrément, ces boucles-là, j'aimerais bien les croiser un jour. Viens, parce qu'en fait, c'est, ça devient... c'est fort. C'est quoi la meilleure vanne que t'as reçue sur toi? Celle du salon, je crois masterclass, celle-là. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» Mais en fait, il faut aller la chercher, t'as vu? Ok, je rappe comme Nekfeu. Bien sûr. Ouais, là, c'est qui? C'est Jazzy Baz. Ouais. Alors, Jazzy Baz. Yeah, ouais, fort. Ça, on est à Nice. Ok, lâche pas en couille. Ta mère, mes cœurs. T'es allé chercher loin. Moi j'aimais bien rap contenders tout ça là. T'aurais pu y aller toi un peu. Non, parce qu'ils sont trop forts. T'as capté les... Ils rappaient comme ça, c'était leur flow les... dans rap contenders et tout. Ouais, non, si. T'es mal le charisme du boug. Zoa, zoa, bo. Non, moi je dette ça, wesh. Comment tu peux pas venir à un concert du boug? Non, moi, je suis un putain de danseur. Non, voilà. Ça, c'était au Zénith. C'était vraiment incroyable. Mais comment tu maîtrises comme ça Après, ça, c'est un Congolais, t'as capté. Mais débrouille, j'ai un bon petit bassin qui bouge, qui gigote bien. Le classique. Cette ville-là, ouais. On l'a cherché, qu'on l'a trouvé. Ouais, bien sûr. J'aimerais dire, j'adore. On adore tes billets. Tu sens la détente que j'ai. En vrai, je te dis la vérité. T'as vu, les gens même me disent, oh, le truc, il est dans l'eau. Tu sais que le truc, il était déjà dans l'eau. J'ai pas voulu me justifier. Je sais, comme ça, les gens, ils allaient rigoler. Bon, sur cette vidéo, vraiment, non, c'est surtout ce que je dis là. J'adore ça. Ils ont kiffé la punch. Après, ils sont allés dans les détails.
Parce qu'en fait, ils ont dit, ouais, c'est bien beau, t'adores, on va quand même te faire, tu vas pas, tu vois, tu vas pas échapper, tu vois. Eux, ils sont comme as. Tu vois, tu vas venir, même si tu veux une belle vie, au moins une ou deux vannes, tu vois, c'est tranquille. Ça, c'est ton plus gros même, ça, c'est le... Je pense, hein. On est à la plage et depuis tout à l'heure, les gens, ils pensent que c'est NASA. Ouais, lui, hein, c'est un enfoiré, lui aussi. Regardez. Ah, lui, c'est un bâtard. Heureusement, j'ai pas de tatouage. Ah, lui. Attention, t'as déjà testé Bissap Vodka. Je veux savoir si c'est vrai. Ouais. C'est vrai? Bissap Vodka. On a vu ça Bivoc. Non, moi, ouais. J'ai fait des trucs de ouf. Hein. 1664, la belle 5. C'est de la D, hein. Moi, je suis une poubelle. Moi, Rapta, poubelle. Une belle ordure. 16 avec la belle 5. Ouais, j'ai déjà fait un. Ça, je l'avais fait avant que. Ah, j'étais bien jeune, j'avais encore le foie bien. Bien propre. Mais tu sais que ce jour-là, on allait casser une soirée. Casser la soirée, c'est-à-dire, ils voulaient pas trop qu'on rentre. Bazar. T'as capté, dans la ville, on nous connaît pour ça. C'est-à-dire, quand on n'est pas invité, déjà, on aime bien. On aimait bien venir quand on n'est pas. Quand tu nous invites, on a le sub. Là, c'est dit, moi, il y a des moments de la soirée où je suis un schlag. T'as capté? Je suis un schlag. Je suis inarrêtable. En fait, je suis un schlag. Traite-moi de schlag. Oui, c'est moi. Saucisson à capella. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup. En fait, j'abuse en plus. C'est même pas du saucisson, c'est du cachir. Et je l'ai démarré comme ça. Direct, à capella, vraiment, comme on dit. Sans instru, sans prod, sans pain, sans rien. T'as vu? Tout nu. Non, c'est vraiment ben, Michael Jackson. C'est quelque chose. Ouais. Je crois qu'il est plus connu que le pain. Tu vois, le pain? Ouais, lui, il est plus connu que le pain. Tu vois, en Amazonie, là-bas, ils savent pas c'est quoi du pain. Ils connaissent le monsieur. Non, mais c'est réel. Tu sais qu'aussi, j'ai eu un débat. T'as vu ma maquilleuse là? Elle est venue un jour comme ça. Oh, Tupac, il est plus connu que CR7 et Michael Jackson. J'ai dit jamais. T'as vu là, j'ai dit le pain. Mais en fait, à cause d'elle-même, j'étais plus loin. Il est plus connu que l'air. T'as vu, tout le monde sait. Même un bébé, il sait pas c'est quoi l'air, mais il y a l'air. Michael Jackson, il est dans l'air. T'as capté? Mais vous êtes où dans le CO2, dans les bails? Bah, le pain sûr, déjà plus connu que le pain. Qu'est-ce que même les pâtes? Plus connu qu'une chemise, qu'un bermuda, une culotte. Tout ce que tu veux, wesh, Michael. Plus connu que les dents. Tout le monde a des dents. Maintenant, dis-moi un humain qui a pas de dents. Maintenant, Michael est connu plus que les dents. Et tu me donnes trois personnes qui, selon toi, sont plus connues que le pain. Michael, CR7. Plus connu que le pain. Obama? Non. Non. Ouf, même mon daron, il est plus connu qu'Obama. Comment il s'appelle Elvis Presley? Non. Mais on le sait. Ouais. Et en fait, je vais te faire la catégorie, c'est encore mieux. Il y a les boucles de l'air. T'as capté? L'air, vraiment, laisse ça. Eux, je peux rien y faire. C'est-à-dire, même nous, on meurt. On fait des enfants, ils meurent. Ils sont dans l'air, frère. Connus comme l'air. Après, il y a les boucles de la boulangerie. Après, il y a les boucles, on va les mettre dans la catégorie du coca. Mais dans le coca, il y a qui? Et les PDD, tout ça, les Snoop. Kim Kardashian, ils ont voilà, dans le coca. Kim Kardashian, toi tu la mets dans l'air. Non, je la mets dans le pain, je crois. Dans le pain, quand même. Sérieux? Moi, mes darons, ils connaissent pas Kim Kardashian. Or, ils connaissent l'air. Le bouc de l'air. Ah je ouais, c'est là, ouais. Mais non, je mange le sandwich. Je vois, on dirait qu'il y a que un steak dans le Big Mac. Mais vas-y, je calcule up. Vous connaissez, j'ai un gros bidon. Regardez le steak, il s'est calé où? Voilà, il était là, frère. Tu sais que ça. Ouais, après je l'ai démonté. Eh frère, le steak il s'est calé là sur le bidon, frère. Avec un peu de salade. Tu sais que je mange le truc, tu sais qu'ils m'ont carotte chez eux autres. T'es trop fin, beaucoup de pain on dirait. En fait, tu connais des fois, peut-être trop de sauce, ça glisse. Mais ça m'a jamais fait ça hein, depuis que je vais au McDo de toute ma vie, frère. T'es le McDo de Mantes-la-Jolie en plus. Je vais revenir là-bas. Hein. Ils ont les steaks glissants. T'as capté? Là-bas au Mantes, les steaks glissants. Corps standard. Beau gosse, hein. J'ai dit dès que j'ai mis ça. Là, les DM. Multiplication de DM. Non, je rigole. Ça fait au moins un an et demi, je suis comme ça. Je sais pas pourquoi cette photo. Peut-être c'est la position que j'ai prise. J'ai un t-shirt noir. Et puis, il est loin de moi, même plus. J'ai pas mouillé le maillot. J'étais là bourreau comme une boule de pétanque. Mais du coup, t'as fait un vrai sport, tout ça. Non, même pas la vérité. T'as vu, je t'ai dit. Bah, les 16, les bails, là. J'ai coupé longtemps. Truc, après, dès que j'ai vu, j'ai maigré un peu juste ça. La graille un peu. J'avais pris une carte basic fit, mais vas-y. Je suis allé 2-3 fois sur le vélo pour j'ai snappé. Les gens ils croyaient que j'étais devenu un sportif, mais non. C'est du mensonge. Je mens. Je paye comme as. Pour dire un jour si quelqu'un y a un débat, tu vois. T'es un ouf, wesh. Ma carte, moi, frère. T'as capté celle-là?
Car même s'il veut la preuve, bam, je mets le truc. T'es un ouf, wesh. Même là, j'ai vu tout le monde a félicité. Wow, lourd, hein. Il y en a, ils ont dit non. Tu veux devenir quoi, tout maigre ou quoi? Et ils veulent rien savoir, ils veulent quand même un petit bidon, le truc. Déjà, j'ai enlevé le sac, il y en a, ils boudent. Déjà, retour du sac bientôt, ça veut dire? Ouais, pas, peut-être pas bientôt, mais retour. Ok. Là, ça fait au moins 2 ans que je l'ai pas mis. Hein. J'arrivais même pas à l'enlever et tout, wesh. Mais... bloqué, wesh. Bloqué, le truc, il est bloqué, je rigole. Pour même pour me déshabiller chez moi, dur. On sort un truc le 24 juin. Ça va être génial, fantastique, Big Daddy. Il y a tout, de la mélo, du rap. Tu connais ton bout, polyvalent. Inch'Allah, on finit dans l'air. Ou au moins dans la boulangerie, chez App.